le tournoi de la Munich. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. 1033 patients traités entre 2023 et 2024 par l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, un établissement à la pointe de la technologie pour la détection et le traitement précoce des maladies, mais qui reste peu connu des populations, d'où ces journées portes ouvertes qui se tiennent depuis hier. Léon Brou nous y amènera en début de journal. Présentant Côte d'Ivoire dans le cadre de l'évaluation du programme économique et financier triennal, une mission du Fonds monétaire international a pris part cette semaine à une séance de travail au ministère de l'économie, du plan et du développement. Dangui était sur place, il nous en parlera également dans ce journal. L'OMS a donné son feu vert ce vendredi 4 octobre, premier diagnostic in vitro pour le Mpox qui doit permettre de mieux lutter contre l'épidémie actuelle. La maladie a déjà fait près de 900 morts en Afrique depuis le début de l'année. C'est une première depuis 33 ans. Ce vendredi 4 et demain samedi 5 octobre, la France accueille le 19e sommet de la francophonie, un événement auquel bon nombre de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF répondent présents. La Côte d'Ivoire y est fortement représentée. L'OIF est aujourd'hui forte de 88 membres qui se fixent pour ambition commune de promouvoir la langue française partout dans le monde. Les journées portent ouvertes 2024 de l'Institut de médecine nucléaire se tiennent sous le thème « Le nucléaire au service de la santé ». Hier, au lancement de cette première édition, le Premier ministre Robert Mbembe-Gré a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, qui a favorisé en terre ivoirienne l'implémentation de la médecine nucléaire. CHU de Cocody, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Ici, des appareils spécifiques dits gamma caméra et des produits radioactifs comme médicaments utilisés pour le diagnostic et le traitement précoce des maladies graves telles les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Déjà une année d'activité et le ministère de la Santé satisfait des avancées. Avant la mise en place de cette infrastructure, c'est plus de 600 patients qui se déplacent chaque année pour se rendre à l'étranger pour bénéficier des soins de médecine nucléaire, ce qui engendrait des coûts considérables et des risques accrus. Aujourd'hui, grâce à la vision de Son Excellence le Président de la République et l'engagement constant du gouvernement, ces soins sont disponibles désormais sur place à Abidjan. Ce sont plus de 1033 patients ivoiriens étrangers qui ont pu bénéficier d'examens et de traitements essentiels, notamment des scintigraphies osseuses, thyroïdienne, rénale, cardiaque et pulmonaire. Ces résultats témoignent de l'impact immédiat et durable de cette infrastructure sur la santé publique de notre pays et au-delà de nos frontières. Pour autant, peu connue reste la médecine nucléaire de l'avis de la directrice de l'Institut, le professeur Kwame Koutouan-Anik. Ces deux journées portes ouvertes donc pour promouvoir la spécialité médicale et ses applications. Les praticiens ivoiriens ont le soutien de ceux de la Tunisie, du Togo, du Bénin et du Sénégal. Le gouvernement, lui, procède au renforcement des capacités du centre par le don d'autres équipements de pointe et de nouveaux bâtiments dont le Premier ministre procède ici à la pose de la première pierre. Ainsi se traduit la vision du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière d'accès aux soins de santé, précise le chef du gouvernement. Toutes nos régions seront dotées très prochainement d'hôpitaux de référence avec des équipements de pointe, sans oublier le vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact. Le chef de l'État a largement mérité en cela la distinction honorifique de champion de la promotion de la médecine nucléaire qui lui a été attribuée par l'AFCON, la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Il est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan est rendu opérationnel en 2023 grâce à un investissement de 3 milliards de francs CFA du gouvernement.
Un reportage signé Léon Proukwame et Ulrich Adongon. Je vous le dis en titre, une mission du Fonds monétaire international est présente en ce moment à Abidjan dans le cadre de l'évaluation du programme économique et financier triennal. Et cette semaine, la mission a participé à une séance de travail avec la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. Séance de travail à laquelle a pu assister notre reporter Dangui Dangui. L'économie ivoirienne montre de solides signes de résilience. De l'avis d'une mission du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire depuis quelques jours et après une séance de travail avec la ministre Kabani Ali. Notre travail n'est pas encore fini, mais il semble que l'économie continue à faire preuve de résilience, une croissance solide qui permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter davantage le standard de vie des peuples et d'atteindre aussi une transformation plus profonde de l'économie vers 2030. La ministre de l'Économie, du Plan et du Développement de réaffirmer la volonté du gouvernement de continuer à travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être des Ivoiriens. Nous avons pu regarder ensemble l'état de la préparation du prochain PND, les hypothèses de la préparation du prochain PND et également regarder comment dans le cadre de la réflexion, le FMI pouvait nous accompagner dans le cadre de l'article 4. D'ailleurs, vous savez que nous sommes une économie assez informelle et il est important dans le cadre de la modernisation de notre économie, il est important de voir comment est-ce qu'on peut accompagner notre secteur informel à pouvoir d'abord se formaliser pour elle-même grandir et encore contribuer davantage à la dynamique économique et au bien-être des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un programme économique et financier triennal avec le Fonds monétaire international FMI depuis 2023. Au menu, deux instruments, à savoir la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit. C'est ce programme qu'une mission du FMI vient évaluer périodiquement. Autre lieu, autre sujet pour une autre séance de travail. Un atelier organisé dans le cadre de la politique nationale de l'emploi. Politique mise en œuvre dans le souci de promouvoir un travail décent pour toutes les personnes en âge de travailler. PNE 2021-2025, le bilan partiel a aussi été dégagé. Ismaël Evrardéo, David Soyo et Tatiana Bono. Le bilan à mi-parcours de la politique nationale de l'emploi, cycle 2021-2025, axe majeur de cette rencontre entre acteurs clés du secteur. Pour le directeur général de l'emploi, des avancées notables sont enregistrées dans ce bilan partiel. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le SMIC a été revalorisé. Il y a eu aussi une revalorisation des minima catégoriels au niveau du secteur privé. On a également aussi la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et bien entendu la mise en œuvre aussi du régime social des travailleurs indépendants. Un exercice auquel la tutelle accorde un intérêt particulier. Pour tout programme, il est nécessaire que pour les acteurs d'exécution de faire un état des lieux dans une approche de gestion participative après quelques années de mise en œuvre pour améliorer l'efficacité, l'efficience et la transparence en appréciant le niveau d'atteinte des résultats par rapport aux objectifs définis. Je vous exhorte ainsi à accorder une attention particulière au bilan afin de proposer des solutions idoines et formuler des recommandations adéquates qui nous permettront d'atteindre tous les objectifs de la PNE 2021-2025. La politique nationale de l'emploi s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté, un vœu matérialisé par les chefs d'État lors du sommet de l'Union africaine sur l'emploi en 2004. Voilà déjà bientôt un mois que l'école a officiellement rouvert ses portes en Côte d'Ivoire. Et c'est une heureuse rentrée scolaire pour les élèves des écoles primaires de Sérigbo-Kaha et de Ouregué-Kaha, deux villages de Niakara dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'ONG Wouflo vient de leur offrir des centaines de kits scolaires. Laure Goriti, Kader Sogodogo, RTI Boaké. 414 kits scolaires offerts aux enfants de l'EPP Sérigbo-Kaha et l'EPP Ouregué-Kaha dans le département de Niakara-Mandougou. Des sacs, des cahiers et des stylos composent ces kits offerts par l'ONG Wouflo.
Pour la présidente Ami Diomandé, épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, en fournissant ses outils essentiels à l'école, son ONG veut contribuer à créer un environnement éducatif plus favorable à l'apprentissage de ses élèves. L'éducation est un pilier fondamental pour l'avenir de notre pays. Ces kits scolaires permettront à ces jeunes élèves de commencer l'année dans de bonnes conditions, avec tout le nécessaire pour réussir. Chers élèves, je vous invite à travailler dur. Nous avons foi que vous serez les modèles de demain. Les élèves s'en réjouissent, les parents et les instituteurs avec. Je vous remercie sincèrement. Votre contribution nous permettra d'étudier dans les meilleures conditions. Depuis que nous avons commencé les cours, les enfants sont là, ils n'ont même pas de cahier pour écrire. Et Dieu merci, nous avons eu cette chance aujourd'hui. Vraiment, ça me va droit au cœur. L'événement a également été l'occasion pour l'ONG de poser des actions sociales en faveur des femmes de Serboka et Ouregeka. Elles ont reçu des dons pour les encourager à développer des activités génératrices de revenus et à réaffirmer leur autonomie. Nous espérons que ces dons seront le levier nécessaire pour vous permettre de concrétiser vos ambitions et de contribuer davantage à la prospérité de votre communauté. Créée en 2022, à travers ses actions axées sur l'éducation et l'autonomisation, l'ONG Ouflo s'engage davantage à transformer durablement la vie des communautés locales. Et c'est aussi la rentrée des classes au niveau de l'enseignement supérieur. À Korogo, seulement à une cinquantaine de kilomètres de Niakara, cette rentrée s'est faite avec l'objectif de pacifier les universités pour des enseignements de qualité. C'est quoi si chez Jean-Marc Djadji, reportage. Université Pélifro Gonkoulibaly de Korogo, le temple du savoir, est en fête. Aujourd'hui, c'est la rentrée des amphis dans la bonne humeur. Cette année, engagez-vous pleinement dans vos études, participez activement à la vie universitaire et soyez les ambassadeurs des valeurs de respect, d'ouverture et de solidarité que nous chérissons. Je souhaite à chacun d'entre vous une année académique pleine de succès, de découvertes et de réalisations. Pour l'occasion, les dirigeants de l'institution ont mis les bouchées doubles. Dans son adresse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a invité les étudiants à s'engager sur la voie de la pacification des universités. J'ai demandé aux étudiants de se mettre au travail, parce que vous pouvez avoir les meilleurs enseignants possibles, être dans les meilleures conditions d'études et de vie, mais si vous ne vous mettez pas au travail, il y a un problème. Aux enseignants, de tourner le dos à l'absentéisme. Il faut qu'ils soient présents sur les campus. Vous ne pouvez pas être recruté comme fonctionnaire à l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire et en même temps être en train d'enseigner dans une université à l'étranger. Une main tendue bien appréciée par les étudiants de Korogo. Le CEC s'engage, de par son caractère civique et moral, à prendre des décisions afin que la cité même universitaire vive dans une ambiance paisible, une ambiance de convivialité, mais surtout une ambiance sereine pour entamer l'année et terminer avec joie, avec l'obtention de tous les diplômes. Le ministre attend de nous un enseignement de qualité. Il faut que l'enseignement supérieur et la recherche, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous nous inscrivons dans le Conseil des Nations. Et bravo au ministre. Merci à lui, merci pour ces orientations qu'il nous donne. Ces trois dernières années, le dialogue entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les syndicats d'étudiants a permis de pacifier les universités. Résultat, rentrée universitaire normalisée sur l'ensemble du territoire national avec un calendrier académique unique. Le Haut Sassandra en marche pour le développement. La région enregistre aujourd'hui des châteaux d'eau. La plupart des voies sont réhabilitées et plusieurs écoles sont même équipées en tableaux-bancs. À l'issue de la réunion qui s'est tenue récemment dans la ville d'Issia, le président du conseil régional a fait le tour de quelques localités pour inaugurer plusieurs ouvrages et les livrer aux populations. Témoignage Eugène Atoubé. Sur des accents de fête, le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Touré Mamadou, est accueilli à Gazeyo, l'une des étapes de sa tournée dans le département d'Issia, dans le cadre des sessions délocalisées du conseil régional du Haut-Sassandra.
Dans cette localité, un bâtiment de 4 classes a été construit pour renforcer la capacité d'accueil du collège moderne. Ailleurs, des réhabilitations. Au total, 106 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir le secteur éducation dans le département d'Issia, où plusieurs projets sont exécutés. On enseignait dans des conditions vraiment précaires. Donc c'était ouf de soulagement aujourd'hui, non seulement pour nous les enseignants, pour les enfants et pour la population de Gaulois. Les villages de Namané et Ibogué ont bénéficié chacun d'une ambulance. Ailleurs, connexion au réseau électrique national et renforcement de l'existant. À Tapeguia, c'est une brigade de gendarmerie en plus d'un ouvrage de desserte en eau potable. Je salue le gouvernement par ses actes qu'il a posés à Dubogué pour nous donner un château d'eau. Tout est devenu facile parce que la voie est bien propre. Maintenant, pour aller à Issia, on n'a pas de problème. Divers projets ont également été lancés au cours des activités de la troisième session ordinaire délocalisée du Conseil régional du Haut-Sassandra à Issia. Aujourd'hui, plusieurs localités dans le Zagoté sont sorties de leur enclavement grâce au reprofilage des voies pour y accéder et en sortir. Les villages de Bla, Gogogué, Louobois, Tokwa-Maninkro et Dubogué, ainsi que Tapeguia, vont eux aussi bénéficier de travaux de reprofilage. Les travaux ont été lancés par le président du conseil régional Touré Mamadou, qui rassure que le conseil va accélérer le développement du Haut-Sassandra. L'engagement que nous avons pris, c'est que dans l'union dans la diversité, parce qu'il ne s'agit pas de partis politiques, mais je m'engage à faire en sorte que dans l'union, nous puissions travailler pour nos parents et aider à faire reculer la pauvreté dans le Haut-Sassandra et surtout dans le département d'Issia. Entre lancement de projets d'investissement et rencontres avec les franges de la population, le président du conseil régional du Haut-Sassandra a présidé la troisième réunion de l'année 2024 du conseil régional. En marge des travaux, Touré Mamadou a offert 2 véhicules au corps préfectoral du département d'Issia. Et à Zokogbe, c'est à un conseil municipal qu'on a assisté récemment. C'était d'ailleurs le troisième du genre qui a permis d'examiner et adopter le projet du programme triennal 2025-2026-2027 de la commune. Le conseil municipal à l'occasion a remis des centaines de tables bancs à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire. Depuis Zokogbe, les précisions de Godefroy Okambawa. 420 tables bancs remis à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Zougoube, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un geste de la mairie qui se situe dans le cadre de son programme triennal 2025-2027, adopté à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Ces tables bancs viendront combler les besoins en tables bancs de nos écoles dans la circonscription de Zougoube. C'est un vrai soulagement pour les enfants qui s'asseyent souvent 2-2-3-3. Et je pense que le conseil municipal a vraiment fait une bonne action. Nous sommes à leur disposition. Voilà ce que nous avons fait dans ces derniers temps. On s'est déplacé, aller vers eux pour dire qu'est-ce que vous voulez. Nous avons mis 175 millions dans le budget pour l'électrification. D'autres projets tels que l'inauguration d'une pompe villageoise améliorée dans le village de Zairogbe ont également été adoptés par le conseil municipal de Zougoube. Le budget pour le compte de la commune est estimé à 1 milliard 260 millions de francs CFA. De retour à Abidjan, les magistrats de la Cour de cassation viennent de recevoir des véhicules neufs de type 4x4 et des moyens de mobilité qui apporteront à coup sûr une performance aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage Fred Oulaye dans un commentaire de Walter Amadou Ouattara. 10 nouveaux véhicules de type 4x4 pour renforcer les capacités de mobilité du personnel judiciaire de la Cour de cassation. La mise de véhicules aux magistrats traduit la volonté du président de cette juridiction à impulser un dynamisme nouveau à l'institution. Les ayants droit trouvent en ce geste une invitation à mieux faire. Depuis sa venue à la tête de cette institution, il n'a cessé de nous mettre dans les conditions idoines pour que nous travaillions et que nous soyons les meilleurs des meilleurs. Donner comme c'est donné.
début d'année judiciaire, c'est une motivation très importante pour tous les présidents de chambre que nous sommes, qui aujourd'hui sont dotés des véhicules de fonction. C'est très important pour le rendement à la fin de l'année judiciaire prochaine. La remise de ces engins après les vacances judiciaires sonne comme un encouragement face aux défis à venir. C'est donc un effort considérable déployé pour faciliter la mobilité du personnel et renforcer l'efficacité de notre action judiciaire. L'affectation de véhicules de service sera élargie sous peu au directeur. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour votre professionnalisme, pour votre dévouement, afin que la Cour de cassation soit rehaussée à son image, qui est la plus haute institution de l'ordre judiciaire représentative du pouvoir judiciaire. Cette activité de ce jour marque également l'ouverture de l'année judiciaire de l'institution. La présente dotation est la deuxième du genre sous la présidence de Yua Kofi. Il entend faire de l'institution le porte-étendard de la justice civile crédible. Je vous le disais au sommaire, l'OMS a donné son feu vert ce vendredi 4 octobre au premier diagnostic in vitro pour le Mpox qui doit permettre de mieux lutter contre l'épidémie actuelle. Un diagnostic précoce du Mpox permet un traitement et des soins rapides ainsi qu'un contrôle du virus, ainsi que le souligne le communiqué de l'organisation. Alors que la maladie a déjà fait près de 900 morts en Afrique depuis le début de l'année, en le mettant donc sur sa liste d'utilisation d'urgence, l'OMS permet à d'autres agences de l'ONU de le distribuer et assure les autorités sanitaires des pays touchés de son efficacité et permet donc d'en accélérer la diffusion. On passe au sport. Nous sommes vendredi et c'est l'heure de votre journal des sports. L'invité RTI Sport de ce 4 octobre, c'est Jean-Sylvain Risseau qui nous a rejoint en plateau pour nous livrer l'essentiel de l'actualité sportive. Bonjour Jean-Sylvain Risseau. Bonjour Hamza Diaby. Allez-y. Allez, avec 122 buts inscrits en 31 matchs, là on parle donc de la Maramonde 2024, si vous voulez, la première édition donc de la Coupe du Monde de Maracana qui se déroule du côté du Palais des Sports de Trailleville. C'est dans la commune, donc sinon dans le district autonome d'Abidjan. Eh bien, après les phases de poule, l'heure était donc au bilan avec le patron du Maracana mondial, Bleu Charlemagne, a dressé le bilan de la phase aller. C'était en présence de Arsène Kouassi. Le président de la Fédération internationale de Maracana, Association Bleu Charlemagne, était face à la presse pour faire le bilan à mi-parcours de la Maramonde. Sur 32 matchs, 22 ont été disputés, même si l'absence de l'équipe du Gabon s'explique. Le Gabon n'est pas arrivé pour juste des questions d'agenda sur le vol. Il n'avait pas fait de réservation au préalable. Concernant la polémique qui entoure les joueurs ivoiriens et africains qui jouent sous les couleurs des pays occidentaux, Bleu Charlemagne se veut un peu plus précis. Les États qui sont arrivés là sont arrivés. Ils ont pour la plupart leurs ambassades ici. On chante les hymnes nationaux de tous les pays à tous les matchs. Les gens suivent. Si c'était du faux, ils allaient tout de suite arrêter ça. Chez nous, il n'y a pas de nationalité. Si à valeur égale, le sélectionneur préfère un Ivoirien, un Africain que son compatriote, c'est nous là qui devions en être fiers. Maramonde, ça se poursuit. Donc, les quarts de finale, ça démarre aujourd'hui. Quels sont les chocs prévus pour ces quarts de finale? Allez, deux chocs. Hamza Diaby, au sommet donc, de ces affiches comptant pour les quarts de finale de cette première édition de la Maramonde 2024. Autrement, la première édition de la Coupe du Monde de Maracana qui se déroule ici en Côte d'Ivoire. On aura d'abord à 17h Burkina Faso, Canada, à 18h Bénin, Belgique, et puis à 19h Brésil, Togo. Si vous voulez, c'est le premier choc donc, de ce rendez-vous. Brésil-Togo, parce que les deux équipes possèdent les meilleures attaques de la compétition. 15 buts inscrits par chaque équipe donc dans cette compétition. Et puis le Brésil a séduit tout simplement les observateurs de cette Maramonde 2024. Le Brésil, je précise, qui pratique le Maracana depuis seulement 3 mois et qui a émerveillé vraiment le public qui a décidé d'aller suivre ses prestations du côté donc de la rotonde du Palais des Sports de Trailleville. Le deuxième choc, c'est le derby sous-régional entre les éléphants maracaniers et de la Côte d'Ivoire et
les éléphants maracanais donc, de la Guinée. C'est un match à ne surtout pas manquer. À partir de 20h, les deux équipes ne seront pas orphelines parce que à chacune donc, de leurs déplacements, elles ont bénéficié du soutien de leur public. Nous y serons hein, pour suivre ces matchs qui semblent très alléchants. Alors, on va parler un peu de Ligue 1. La Ligue 1 aussi, San Pedro et la FAD sont les leaders hein, de cette Ligue 1. Oui, effectivement, Hamza Diaby, 38 buts ont été inscrits après les deux premières journées, excepté les matchs donc, du promu Iska, qui attend toujours donc, de rentrer en liste pour cette Ligue 1 ivoirienne. On s'attend également à une troisième journée prolifique en but, une troisième journée que nous présente Patrick Gawadadi. Le FC San Pedro et la FAD du plateau sont les deux équipes qui n'ont pas encore perdu de points en ce début de saison. Les académiciens du plateau ont eu le mérite d'infliger une correction à la SEC Mimosa lors de la deuxième journée. Une victoire 2-0. Le premier but est inscrit par Amani Michel de la tête à la 37e minute. À la 77e minute, le joueur est abattu par le porteur de la SEC dans la surface. Kouadio Fulgence se lance et prend à contre-pied Chalayaï Foli. La FAD s'impose 2-0 et occupe la deuxième place à égalité de points avec le FC San Pedro. Koulibaly Topio et ses coéquipiers affronteront le samedi au stade Robert Champreau à 18h lors de la troisième journée, leur poursuivant direct au classement, l'équipe de Mouna FC qui a défait lors de la précédente journée la SOA grâce au but du Libanais Mohamed Sahaba de la tête et Isaac Ako sur ce pénalty en fin de match. Dans les autres rencontres, le promu Oza, à la recherche de sa première victoire dans l'élite, défiera la SEC Mimosa, samedi au stade Robert Champreau à 15h30. À la même heure, la SO accueillera Yamoussoukro Bouaké FC. Le dimanche à 15h30, le stade Laurent Poco sera le théâtre du derby entre le FC San Pedro et le Lys de Sassandra. Autre derby, celui du Nord, qui opposera à Yamoussoukro la SC Dengélé et le COK. Le duel Zoma Insiste de la Club des Djamé se jouera à 18h au Stade Champro. Enfin, le match Iska Sol FC est reporté. Alors, Jean-Sylvain Risseau, en ce début de saison, qu'est-ce qu'on peut retenir comme fait majeur, comme fait marquant? Alors écoutez, Hamza Diaby, deux faits. Le premier, c'est les buts inscrits par les gardiens donc, de Bouaké FC et du FC San Pedro. Le premier but a été inscrit de la tête par le portier donc, de Bouaké, Ricardo Abraham, à la 96e minute. Son but a permis donc à Bouaké d'arracher son premier point dans cette campagne 2024-2025. Et puis le deuxième fait, c'est le but du portier du FC San Pedro, Youssef, qui a marqué à partir donc, de ses 16 mètres un lob vraiment audacieux qui a permis au FC San Pedro de s'imposer 4-0. Et puis le deuxième fait, c'est bien entendu cette défaite, la première de la saison pour le stade d'Abidjan. 4-0 hier. Le stade, je le rappelle, va représenter la Côte d'Ivoire au niveau donc, de la phase de poule de la Coupe de la Ligue des Champions, la C1. C'est un peu une défaite qui étonne dans les observateurs de cette Ligue 1. On s'interroge à comment le stade a pu bien encaisser donc ces 4 buts. Le stade qui avait pourtant dans ses rangs un certain Assali Clavert Roger, champion d'Afrique 2015, qui est de retour en Côte d'Ivoire parce qu'il avait quitté la Ligue 1 ivoirienne en 2014 quand il portait la tunique du CV Sport de San Pedro à l'époque avec Eugène-Marie Dumondé. C'était la grande équipe du CV Sport de San Pedro. Il est parti au TP Mazembe. Ensuite, il a connu l'expérience européenne. Il est revenu là en Côte d'Ivoire pour épauler, pour appuyer le stade d'Abidjan. On espère tout simplement que cette défaite lourde 4-0 est un accident de parcours pour les Yéyé ou les partenaires. Et pendant que nous y sommes, le stade d'Abidjan dont vous parlez va rencontrer le RCA. RCA et après Mouna contre la FAD. Voici deux rencontres. Hein. Quels en sont les enjeux, Jean-Sylvain Risseau? On va commencer d'abord avec le match qui va opposer l'équipe de Mouna et la FAD d'Abidjan. C'est un duel entre ces deux équipes-là qui occupent respectivement les deuxième et troisième places du tableau. Deux points seulement séparent ces deux clubs-là. Et puis dans l'historique de la Ligue 1 ivoirienne, la FAD n'a jamais battu Mouna FC sur les deux derniers face-à-face en Ligue 1 la saison dernière. C'est deux victoires pour l'équipe d'Agbaou. Donc on s'est dit que c'était un match de revanche pour cette équipe donc de la FAD d'Abidjan, puisque si la FAD parvient à gagner, la FAD va poursuivre son invincibilité. Si Mouna parvient à battre la FAD d'Abidjan, eh bien Mouna va pourquoi pas occuper provisoirement la première place du tableau. En ce qui concerne le match entre le RCA et le Stade d'Abidjan, c'est deux équipes qui n'ont pas connu forcément la même réussite que les deux premières équipes que j'ai citées un peu plus tôt dans mon développement, puisque le Stade d'Abidjan a été battu hier. Le RCA s'est
un seul point après deux sorties. Donc on s'attend à un match très ouvert, surtout que les deux équipes ont besoin absolument de gagner pour se relancer. Quand on regarde l'historique des confrontations directes entre les deux là, eh bien la balance penche en faveur de l'équipe de Yopougon, le RCA, qui a remporté deux duels sur quatre sorties, un match nul pour une victoire pour l'équipe du Stade d'Abidjan. Et on verra bien ce que tout cela va nous donner. On a parlé de Maracana, on a parlé de Ligue 1. On va parler de Petit Poteau un petit peu. Oui, de football Petit Poteau, justement, avec la finale de la deuxième édition du tournoi de la cohésion et de la paix qui s'est déroulée récemment au kilomètre 17 à 7 dans la commune de Yopougon. Eh bien, l'événement a réuni les habitants du quartier ainsi que plusieurs personnalités et cadres locaux, mettant en avant donc les valeurs de solidarité et de convivialité. Nos reporters Yves Niazalé et Davis Oyo y étaient. Voici le compte-rendu. D'un côté, les supporters du FC Bafon. De l'autre, ceux du FC Adiopodoumé. Une ambiance électrique qui prend source à l'occasion de la finale du tournoi de la cohésion et de la paix de Yopougon Kilomètre 17. Cette animation pousse à la victoire le FC Bafon à l'issue de la rencontre sur le score d'un but à zéro face au FC Adiopodoumé. On a vu une vraie ambiance. Comme dans deux rencontres, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. On allait au duel. Dans les premiers instants, on s'est imposé, ça a payé. Ce tournoi, le deuxième du genre, est l'occasion pour les organisateurs de créer une saine émulation, mais également promouvoir les valeurs de paix et de vivre ensemble dans la commune de Yopougon. Le ministre Diawara Adama a accompagné la jeunesse de Yopougon. C'est pour appuyer la cohésion sociale demandée par le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Je félicite la jeunesse du kilomètre 17 pour leur très forte mobilisation. Nous voulons, dans un premier temps, remercier le ministre pour son accompagnement. Ce tournoi est organisé dans l'optique d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires. La deuxième édition du tournoi de la cohésion et de la paix a vu la participation de 16 équipes. En plus du trophée et des lots de maillots, l'équipe victorieuse FC Bafon a reçu une enveloppe d'un million de francs CFA. Voilà, Jean-Sylvain Resso, on va terminer. Oui, terminer en demandant donc aux Ivoiriens d'effectuer massivement le déplacement du côté donc, de la rotonde du Palais des Sports de Tréville pour soutenir donc leurs ambassadeurs, les éléphants maracaniers, qui jouent gros ce soir face aux éléphants donc, de la Guinée. On espère tout simplement que la Côte d'Ivoire va filer donc en demi-finale et pourquoi pas rejoindre la finale pour essayer vraiment d'emboîter le pas donc, à leur petit frère éléphant champion d'Afrique au niveau donc de football. Merci Jean-Sylvain Resso de RTI Sport. Merci d'être venu ce vendredi pour nous offrir tout cela, toute cette actualité sportive. On va terminer ce journal maintenant sans vous rappeler que depuis 33 ans, c'est une première. La France accueille ce vendredi la 19e édition, le 19e sommet de la francophonie, un événement auquel bon nombre de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF sont présents. La Côte d'Ivoire y est fortement représentée. L'Organisation internationale de la francophonie est aujourd'hui forte de 88 membres qui se fixent pour ambition commune de promouvoir la langue française partout dans le monde. Le français est aujourd'hui parlé par 320 millions de personnes sur la planète, ce qui en fait la cinquième langue la plus parlée. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. À lundi, 20h sur RTI.